I was born to be free. La LBLX présente le Mac des Libertés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième Mac des Libertés. Une émission en collaboration entre les étudiants de l'IEX et de la ELBE. On est ravis de vous retrouver dans ce cadre unique, pas vrai Ibrahim? Et oui Sarah, on se retrouve à l'entrée de la Bourse de Bruxelles et comme d'habitude, on a du lourd à vous proposer. Prêt à lancer le sommaire alors? On commence ce Mac par vous faire découvrir un faux procès au thème prémonitoire. Doit-on faire usage de la reconnaissance faciale? Qui dit compétition dit remise de prix. Notre équipe a pu se glisser dans la délibération du jury documentaire. Et pour finir, une note musicale alors qu'on fait un détour au pays du soleil levant à la découverte d'un groupe aux instruments intrigants. Imaginez, juin 2026, la Belgique adopte une loi sur la reconnaissance faciale. Entre sécurité ou liberté individuelle, le pays s'embrase. C'est le point de départ de l'expérience On vous voit. Dans ce procès fictif tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror, le public devient juré et doit trancher. Un sujet signé Ma, Camille et Hélène. La reconnaissance faciale fait de nous une société de suspects et de suspects. Au sein de l'Union européenne, nous nous efforçons avec les autres États membres de garantir un espace de sécurité collective. La surveillance de masse signifie aussi l'abolition de l'anonymat dans l'espace public. L'identification devient permanente. Et nous n'arrêterons pas le progrès, nous devons le contenir et en tirer le meilleur. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous plaidons pour l'interdiction de tout usage sécuritaire de la reconnaissance faciale, sans aucune exception. Une cour de tribunal qui s'invite au théâtre. Un procès fictif d'environ 1h30 où avocats et experts avancent leurs arguments. Leur but ? Convaincre le public de voter pour ou contre la reconnaissance faciale. Une problématique bien connue des spectateurs, car elle est déjà très présente dans leur quotidien. C'est plus qu'important qu'on soit là pour quand même aussi suivre l'évolution de tout ce qui est reconnaissance faciale. C'est un truc qu'on a dans la vie de tous les jours, nos téléphones, même au niveau des caméras, etc. Je pense que c'est des choses qu'on doit apprendre à comprendre et savoir gérer aussi un peu de nous-mêmes. Quelques chanceux ont pu monter sur les planches et se mettre dans la peau d'un juré. Je trouve que l'expérience est absolument magnifique d'être sur la scène du national, comme si on était acteur, tu vois, et de pouvoir voir l'autre côté du théâtre, c'est absolument remarquable. Dans le procès, le public est invité à voter à la fin des plaidoiries. Jaune pour autoriser la loi sur la reconnaissance faciale, rose pour la faire abroger. J'ai voté jaune parce que, point de vue initial, je suis plutôt pour le no Big Brother et donc je devais voter rose. Et sachant que l'Assemblée a été convaincue également par l'autre plaidoyer, je me devais d'aider également l'autre avocat qui a très bien travaillé et pour dire que tout n'est pas blanc ou noir. J'ai voté contre car pour moi, il est normal de pouvoir se déplacer sans être dans un état de contrôle permanent. Parmi les acteurs, certains sont réellement avocats et ne partagent pas toujours le point de vue de leur personnage. À l'image de Maître Sedad, qui dans la pièce défend l'usage de la reconnaissance faciale. Compte parce que c'est particulièrement attentatoire aux droits et libertés. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, en fait, en l'espace de 30 secondes, on serait capable de vous dire où vous avez pris le café le matin, avec qui, est-ce que c'est une habitude, est-ce que vous le faites souvent, est-ce que vous allez en manifestation. Enfin voilà, je trouve que c'est aller un poil trop loin d'un point de vue surveillance dans notre monde. À la fin de cette pièce, une question persiste. La fiction rejoindra-t-elle un jour la réalité? Ne bougez pas, on reste sur le thème de la reconnaissance faciale, mais cette fois avec une intervenante. Si vous étiez une caméra, vous l'auriez sûrement déjà reconnue, c'est Sophie Delacollette, metteuse en scène du faux procès intitulé « On vous voit ». Elle a répondu aux questions de Hélène. Notre liberté ! La liberté est dangereuse. Libre d'en parler. Bonjour Sophie Delacollette. Bonjour. Vous êtes donc la metteuse en scène de « On vous voit ». Une pièce qui aborde le sujet de la reconnaissance faciale, un sujet très actuel. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le format d'un procès fictif pour explorer ce thème ?
Alors, le format, je ne l'ai pas choisi. C'est un choix de la Ligue des droits humains qui propose ça depuis 5 ans ici au Festival Les Libertés. Et donc, moi, je viens m'inscrire dans ce format. Après, j'ai trouvé que le procès fictif est vraiment un très bel, pas outil, mais oui, un très bel outil pour justement parler de la reconnaissance faciale. C'est un sujet qui n'est pas encore légiféré en Belgique aujourd'hui, qui va l'être dans les prochaines années, très très bientôt. Et l'idée de créer un procès fictif d'anticipation, parce qu'on est en 2026 dans le procès, nous permet de nous préparer, citoyens, citoyennes, spectateurs, spectatrices, à ce qui va arriver dans les années futures. Ce qui est permis ou toléré aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 6 mois. Cette pièce est aussi quelque chose de très immersif pour les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la mise en scène ? Alors, oui, le public a une vraie participation. Bon, la première, c'est que c'est le public qui décide de l'issue du procès, qui vote, et qui donc va dire, ici, en l'occurrence, dans ce cas-ci, si la loi reconnaissance faciale a raison d'être ou pas. Est-ce qu'il faut de la reconnaissance faciale en Belgique ou est-ce qu'il n'en faut pas ? Et aussi, ils viennent cette fois-ci sur scène parce qu'on est à la Cour constitutionnelle, qui est une cour où il y a en fait 12 juges, 12 magistrats, et on en tire 10 au sort dans le public. Donc ils ont une toge, ils viennent s'asseoir, etc. Donc c'est très chouette d'avoir cette participation, ça rend le procès vraiment vivant. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. On a aussi un petit peu d'effet vidéo parce que la reconnaissance faciale, c'est un petit pan de l'intelligence artificielle, quelque chose de beaucoup plus large. Et donc on a un personnage, greffière, la greffière du tribunal, qui est en intelligence artificielle et qui sème un peu la zizanie dans le procès. Et donc selon vous, quel rôle peut jouer le théâtre dans les débats de société comme celui de la reconnaissance faciale ? Pour moi, il joue un rôle fondamental. Bon, forcément, étant artiste et metteuse en scène et autrice aussi, et parfois comédienne, je le vis aussi. Ça, c'est très subjectif, mais je le crois fondamentalement, surtout dans un projet comme celui-ci, où il y a une demande de participation du public qui est très active. Il y a des interactions, les gens votent. Et donc, je le vois à la sortie du spectacle, au bar, que les gens discutent, que les gens se sentent concernés par ces sujets et que ça va certainement avoir un impact sur leur vie ou leur lecture même des médias. Voilà. Merci beaucoup Sophie de la Colette et félicitations pour le succès rencontré, notamment avec 2 représentations au festival. Merci, ouais, on est très très contents d'être là 2 soirs. Comment sortir d'une justice patriarcale de classe et de race ? C'est la grande question posée lors de la conférence « Agresseurs humains sous conditions » proposée au festival. Éline est en compagnie d'Anne Lemone, criminologue et professeure à l'ULB qui participe à cette conférence. Anne Lemone, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en justice restauratrice. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer qu'est-ce que la justice restauratrice ? Alors la justice restauratrice est un modèle de justice qui vise essentiellement à réparer en fait des dommages causés par l'infraction plutôt que de punir cet acte infractionnel. C'est aussi une justice qui valorise autant que possible la participation en fait de l'ensemble des parties à la résolution en fait éventuellement du conflit si on peut estimer que c'est un conflit ou en tout cas à trouver des solutions par rapport aux conséquences du crime. Et donc ça va se concrétiser par des procédures qu'on connaît en fait, telles que la médiation ou encore des conférences restauratives en groupe. Selon vous, en quoi est-ce que le système carcéral empêche les auteurs d'avoir une réelle remise en question, voire même de changer ? Alors le système carcéral, c'est un système qui est par essence contraignant, violent, et qui fait que ça bloque souvent la prise de conscience en fait, des auteurs par rapport justement aux faits commis, notamment parce qu'ils se sentent eux-mêmes victimes en fait, de ce système, et d'autre part parce qu'il y a peu de choses mises en place en prison pour les aider finalement à prendre conscience de leurs actes. Mais vous comprenez quand même que certaines victimes ressentent le besoin que leurs auteurs fassent de la prison ? Oui, je comprends très bien que certaines victimes souhaitent que leurs auteurs soient incarcérés, parce que cette logique punitive, en fait, on l'a tous. C'est une manière de se sentir en sécurité, c'est une manière, quelque part, que l'auteur est mal. Et finalement, cette logique punitive, c'est un peu la seule qu'on nous propose. Il vous arrive quelque chose, on vous dit, portez plainte à la police et l'auteur sera incarcéré. Il se fait que dans les faits,
Très peu d'auteurs, en fait, arrivent même au tribunal, parce qu'il y a toute une sélectivité pénale qui existe, et encore moins qui sont incarcérés. Et pensez-vous que les politiques actuelles sont prêtes à changer le système pénal comme on le connaît aujourd'hui ? Alors, le politique actuel, non, je ne pense pas qu'il soit vraiment prêt à changer le système pénal tel qu'il est aujourd'hui. Il y a toujours des velléités, évidemment, de punir alors mieux, plus efficacement. Et puis, il y a un peu de justice restaurative qui se met ça et là, mais surtout en complément au système pénal traditionnel. Bien, Le Monde, merci beaucoup de nous avoir éclairci un peu plus sur la justice restauratrice. Merci. Vous l'aviez sûrement déjà remarqué, chaque jour, le festival diffuse un à deux documentaires. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'ils sont en compétition pour gagner des prix. Les documentaires diffusés sont variés et il sera sûrement difficile pour le jury de faire un choix. Mais Judith et Louis ont réussi à se glisser dans les coulisses de la délibération du jury. Derrière le rideau. C'est dans un hôtel bruxellois, à l'abri des regards, qu'ont eu lieu les délibérations. Le jury était composé d'un panel éclectique qui s'est pris au jeu. Je pense que c'était un exercice intéressant parce qu'autour de la table, il y avait à la fois des personnes qui étaient peut-être expertes ou qui viennent d'horizons plutôt dans l'ordre des mouvements sociaux, de la défense des droits humains et d'un autre côté, des personnes qui venaient plutôt du monde du cinéma. Mais moi, j'ai clairement été choisie dans le jury pour l'apport politique que je pouvais faire. C'est déjà... Quel film a gagné les autres prix ? Moi, je sais déjà. Les sujets des documentaires étaient variés et s'ancraient bien dans le thème du festival. Cependant, lors des débats, une critique s'est dégagée et n'a pas manqué de faire réagir le jury. Il y avait quand même beaucoup de documentaires qui expliquaient que la Chine, c'était des très méchants. Pas grand-chose sur l'impérialisme américain. Surtout à l'heure actuelle où nous savons par exemple que les États-Unis sont en train de financer notamment un génocide en Palestine en soutenant la guerre menée par Israël, qu'il y a parfois une narrative très pro-américaine qui devrait parfois être plus questionnée dans les documentaires. Après de longues discussions, les délibérations touchent à leur fin. Je pense un peu changer mon regard parce que c'est finalement des films que je vois assez peu. Deux documentaires ont finalement été récompensés, avec à la clé une aide financière ou technique. Mais qui sont les lauréats de cette édition ? On a fait un excellent choix et on ne vous dévoilera rien. Il faut venir au Festival des Libertés samedi pour savoir qui sont les gagnants. Fin du travail pour le jury documentaire, pour qui débattre fut un plaisir. Comme à chaque émission, pendant une minute, les festivaliers balancent leur liberté. Le thème aujourd'hui, racontez-nous un moment au travail où vous vous êtes senti mis en avant en tant qu'humain ou au contraire déshumanisé. Il se confie à notre équipe. Balancez liberté ! Oui, tout à fait, en avant et en arrière. Une anecdote dont je me rappelle particulièrement. Pendant le Covid, je me suis sentie mise en avant parce que je suis infirmière. Qu'on est constamment en contact avec des humains. J'étais réputée pour avoir la banane, ce qui a fait rire tous mes collègues. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les domaines de lutte afro-descendante. On est moins mis en avant et on est peut-être même pointé du doigt. Dont certains qui ont absolument compris la chose au sens « c'est un singe ». Souvent, nos expériences, nos vécus, etc. sont utilisés par des non-noirs. On est finalement une ressource. On se sent humanisé à partir du moment où on a un échange avec les autres et que ça a du sens. Sans modérateur, pas de débat, et sans débat, pas de festival des libertés. Ça tombe bien, Camille est partie à la découverte de ce métier en rencontrant Julien Trudahut, chargé de communication socioculturelle à Bruxelles Laïque et modérateur lors de ce festival. Bonjour Julien Trudahut. Bonjour. Vous êtes modérateur de débat au Festival des Libertés, mais ça consiste en quoi le job d'un modérateur de débat ?
Un modérateur de débat, c'est un peu comme un DJ. Il doit prendre soin de la piste de danse, sauf que là, on ne fait pas danser les gens, on les fait réfléchir, on fait frotter les cervelles. J'aime bien cette expression. Et donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye d'être attentif à comment réagit le public, histoire qu'il ne s'endorme pas, par exemple, ou en tout cas qu'il puisse préparer correctement ses interactions, parce que c'est un impondérable du Festival des Libertés. On laisse une large place à la participation du public. Et puis, c'est aussi, évidemment, prendre soin de ses invités, à la fois avant, pendant et après le débat, mais surtout pendant, et donc de rediriger la discussion telle qu'on l'a conçue et telle qu'on a envie qu'elle se passe. Et en parlant de ses invités, cette année, certains des intervenants ne sont pas venus. Ils avaient un rôle de contradiction, mais comment gérer un débat et réussir à le faire vivre quand il n'y a pas de contradictoire? Alors on se transforme en avocat du diable, en fait. Quand on manque de contradictoire, ben, c'est aussi notre rôle d'aller chercher un peu de contradiction. Après, tous les débats ne sont pas contradictoires au Festival des Libertés. J'animais une discussion autour d'Élisée Reclus, par exemple, hier. Il n'y a pas eu beaucoup de débats, mais l'idée, c'était de faire redécouvrir qui était le bonhomme et surtout l'impact de ses idées aujourd'hui. Donc, la contradiction pour la contradiction, non. C'est surtout mener une discussion intéressante et le plus passionnant possible. Aujourd'hui, l'un des endroits où il y a le plus de débats, c'est sur les réseaux sociaux. Bon, ces débats sont souvent violents et virulents. Comment réussir à y intégrer de la modération pour que ce soit un débat sain? Ce qui est inquiétant, c'est par exemple sur Twitter, il n'y a plus de modération du tout. Donc c'est devenu une espèce de grosse poubelle avec des gens qui s'insultent. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. J'y vais de temps en temps, mais je vois de moins en moins l'intérêt. Par contre, je vois plus l'intérêt d'aller physiquement débattre. Et donc je pense qu'on va arriver au bout d'un truc. Je ne vois pas comment on peut modérer les réseaux sociaux. Mais par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de débattre sur les réseaux sociaux et de plus en plus de personnes qui ont envie de débattre dans la vraie vie. Donc il vaut mieux prendre un vrai café et débattre que aller sur les réseaux sociaux et de passer une nuit à empiler des commentaires pour les commentaires, quoi. Donc j'ai pas forcément d'idée là-dessus, mais moi je préfère la vraie vie et le vrai débat tel qu'on pratique au festival. Et pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote d'un débat qui aurait dégénéré au sein de votre carrière? C'est dans les interactions publiques parfois que ça se chauffe un peu. Par exemple, là il y a deux jours, il y a un type en fin de débat qui est venu dire qu'il était de très mauvaise humeur et qu'il avait l'impression d'être dans une église qui, pour Bruxelles laïque, est quand même assez compliquée à gérer en termes de vocable, mais qui a fait part à 250 personnes de sa très mauvaise humeur de voir que tout le monde était à peu près d'accord. Et donc c'est aussi ça, les débats, c'est de prendre le risque d'avoir de la mauvaise humeur dans la salle, et puis après c'est comment est-ce qu'on rebondit et comment les gens rebondissent entre eux, et c'est ça qui fait la richesse de ces rencontres, ce qui n'est pas forcément possible sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir accordé cette interview et je vous souhaite une bonne suite de festival. À vous aussi, bonne suite. Si certains foulent la scène des Libertés pour la première fois, d'autres sont des grands habitués du festival. C'est le cas pour Bagarre et Acide Arabe, deux groupes aux influences différentes mais qui partagent le même sens de la fête. Camille et Lilian vous présentent cette double affiche explosive. En 2013, Bagarre arrive comme un coup de poing. Ce collectif parisien, composé de 5 membres, refuse de se laisser enfermer dans un genre. Un seul mot d'ordre pour ces inséparables, péter les barrières. Bagarre, c'est à la fois la musique indé et le mainstream, le militant et le clubbeur, le glamour et le paname sale. En 2018, ils sortent Club 1, 2, 3, 4, 5, véritable hymne à la fête et à l'émancipation. Portés par les morceaux Béton Armé et Danser Seul, ils se font une place sur la scène techno. Mais c'est en concert que le potentiel de Bagarre explose. Une mise en scène colorée, une énergie débordante et une relation unique avec leur public. Pour ces vraies bêtes de scène, chaque concert doit être une expérience sans limite, où tout est possible. Quoi de mieux que leur joyeux bordel pour préparer les festivaliers au choc des cultures proposé par Acide Arabe. Eux, plus besoin de les présenter. Acide Arabe fait danser dans les festivals depuis 2012. Né de la rencontre entre Guido Miniski et Hervé Carvalho, ces deux DJ parisiens n'ont qu'une seule idée en tête, mélanger l'acid house à des sonorités orientales.
Quelques mois après leur rencontre, Guido et Hervé sont rejoints par trois autres musiciens. Le groupe se forme autour d'un objectif clair, créer une musique sans frontières. En concert, ces pionniers de l'électro-oriental plongent la foule dans une véritable transe. Impossible de rester indifférent face à cette atmosphère dansante et envoûtante. Acid Arab a réussi à unir Orient et Occident. À chacun de leurs passages, ses habitués du festival enflamment sans grande surprise la scène des Libertés. Autre groupe, autre concert, direction le Japon avec un mélange assez original de la musique électro jouée avec des percussions japonaises en bambou. Et comme vous le verrez dans ce sujet signé Lilian et Edwin, ce groupe n'est pas tout à fait comme les autres. On le compare souvent même à... Ça vous parle ? Libère les watts ! Ils portent un masque, mais ce ne sont pas les Daft Punk. Ces quatre silhouettes masquées forment le groupe Makoto-san, de la musique techno avec des sonorités orientales, le tout orchestré par des percussions japonaises. Makoto-san, c'est la rencontre entre l'Occident et l'Orient, c'est la rencontre entre l'acoustique et l'électronique. C'est la rencontre entre la tradition et la modernité. Aujourd'hui, on fait de la techno avec des bambous. Mais ce ne sont pas les instruments qui interpellent le plus les festivaliers. Pendant le concert, une seule question est sur toutes les lèvres. Mais qui peut bien se cacher derrière les masques ? Non, c'est comme les Daft Punk, j'ai aucune idée. Moi, je sais pas, j'ai en tête qu'ils sont hyper âgés, en fait. Entre 20 et 40 ans, max. Peut-être 35, 31, un truc comme ça, mais... Je dirais la trentaine. Vu qu'il y a des influences japonaises, peut-être asiatiques, mais... Non, moi, je dirais européenne. Ah ouais ? Asiatique ou européen, jeune ou vieux, le suspense reste entier. C'est la volonté du groupe pour qui l'anonymat est un vrai choix artistique. Souvent, les personnalités individuelles des artistes, ça vient un peu trop peut-être manger le projet. Le fait d'être derrière des masques, c'est vraiment en fait avoir un projet qui arrive avec toute son imagerie globale, toutes les projections qu'on peut en faire. On n'a pas d'âge, on n'a pas vraiment de nationalité. Et c'est cette idée de se mettre vraiment au service du projet. Vous aurez peut-être croisé Makoto-san dans les allées du festival sans même les reconnaître. En tout cas, le groupe aura réussi à hypnotiser le public venu les voir. Tu nous l'avais dit que ce Mac des Libertés promettait du lourd, non ? Je ne mens jamais, Sarah, mais malheureusement, c'est déjà terminé pour cette cinquième émission. Merci encore à la Bourre de nous avoir accueillis. On se retrouve très vite pour un nouveau Mac des Libertés, cette fois présenté par Camille et Lilian. À bientôt.